Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette grâce, merci pour ce moment. Merci d'orienter toutes choses, merci de nous assister. Et dans le nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 J'espère que tout va bien là-bas. Amen. Alors, je tenais à dire merci à tout le monde, surtout ceux qui sont déplacés pour ce moment. C'était vraiment, cette semaine a été une semaine de prière. Voilà, une semaine intense de prière, parce que c'était vraiment important. Voilà, important que Zaroko se déplace, se joigne à cette l'église, comme d'habitude d'ailleurs, celle de Divo, pour, dans un moment de prière, d'intercession. Voilà, dans un moment de prière et d'intercession. Voilà. Nous sommes à quelques jours de fin d'année. Voilà, quelques jours de fin d'année. Il était vraiment important qu'on essaie de discuter certaines choses. Il y a certains points sur lesquels je veux. Parce que là, il y a des choses qui sont internes, il y a des choses qu'on peut dire, et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, justement, nous avons un grand projet. Voilà, le projet, vous savez déjà, le projet de Zaroko. Nous voulons, n'est-ce pas, en 2020, voilà, commencer la construction de ce centre de Zaroko. Zaroko, nous allons, par la grâce de Dieu, entamer déjà la construction du centre de Zaroko. Voilà. Voilà, je préfère m'arrêter là pour le moment. Voilà, les annonces là, c'est en interne. Donc après cette rencontre là, voilà la rencontre qu'on vient d'avoir avec l'église de Zaroko, je tenais à dire saluer les responsables de l'église de Zaroko, bon courage. Voilà, bon courage. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion. Hier, on n'a pas eu l'occasion de faire la réunion. J'étais prêt. En même temps, ici, il y a eu des réunions. Je suis rentré à 1h du matin, heure de Paris. Il était 0h de chez vous. Voilà, il était 0h de chez vous. Et c'est comme ça, le week-end. Ici, il y avait un souci. Toute la France est en grève. Voilà. Donc, le bus, les trains ne roulent pas. Donc c'est difficile, quoi. C'est difficile le déplacement. Il fallait qu'on se déplace. Voyez, en véhicule, pour aller quelque part, faire une réunion. Ça nous a pris du temps parce que c'était vraiment important. Nous sommes en fin d'année, nous sommes en train de boucler beaucoup de choses à la fois ensemble. La force d'une église, c'est l'organisation. Voilà, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Il faut organiser, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, avant le 25, voilà, on aura une réunion où cette fois-ci, ce sera plus jeune de prière. Les responsables des Zaroko vont se déplacer et on aura quand même le temps avec les responsables de Divo expliquer. Voilà, je vous expliquer la vision. Voilà, la vision et tout ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc ceux qui viennent soit arrivés des Zaroko. Tcheko à tout le monde là-bas. Voilà, si vous retournez, tcheko à tout le monde. Sinon, tout va bien. Sinon, par la grâce de Dieu, tout va bien. Merci pour vos prières. Merci pour la loyauté, surtout. Le soutien que vous apportez au ministère et tout ça. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous continue de vous bénir et continue de vous assister par sa grâce. Alors, donc, comme je suis en direct là, je suis en train de faire une vidéo qui sera sur YouTube. Je tenais à. Faut dire que la famille chrétienne, évangélique, enfin, fait, chrétienne dans le monde, nous a annoncé la mort de Renard Bonnke. Bonnke, c'est un grand évangéliste qui a impacté ma vie, qui a aussi impacté ma vie. C'est quelqu'un, Dieu a puissamment utilisé ce top. Qui a rendu l'âme hier, Renard Bonnke. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une dimension internationale, qui remplissait les stades, le Seigneur l'utilisait pour des puissants programmes. Ou même à ces programmes, il y a eu la résurrection du pasteur Daniel du Nigeria. Voilà, le pasteur Daniel du Nigeria qui était mort, il a fait un accident, il est mort. On l'a mis même dans la mort, on l'a même mis déformant en lui. Et sa femme. Elle n'était pas la mort de son mari, elle a envoyé son mari à la programme de Renard Bonnke et son mari a été ressuscité. Voilà, c'est des choses qui sont vraies. Vérifiez, il y a des vidéos, tout ça.
Donc, Renompé, c'est un grand évangéliste, puissant évangéliste qui a rendu la bière. Donc, le monde chrétien est en deuil. Mais pour nous, il allait se reposer près du Père. Mais ce qui m'a plu chez Bonquet, c'est qu'à un moment donné, en 2000, en 2000, voilà, 2017, il a fait passation de service. Il a fait passation de service à son fils, un de ses filles, Colinda, un de ses fils spirituels. C'est quelqu'un que je suis. On est amis aussi sur Facebook. On est amis sur Facebook, Renat Bonquet. C'est des gens, n'est-ce pas, dans lesquels j'ai participé à leur formation. N'est-ce pas, Christ pour les nations, c'est un formateur sur l'évangélisation, comment évangéliser. Donc j'ai bénéficié aussi de ces enseignements de Renat Bonquet. Un monsieur, un Allemand que le Seigneur a appelé, qui allait en Afrique du Sud commencer un grand ministère, qui est devenu un puissant ministère international. C'est quelqu'un qui a bouleversé les nations, même en Côte d'Ivoire, même au Bénin. Je pense que Kérékou, Mathieu Kérékou, je pense que Mathieu Kérékou a été influencé, marqué par son ministère. Voilà, donc c'est quelqu'un que le Seigneur a puissamment utilisé. À un moment donné, il a su passer le service. C'est ça qui est important par rapport à son fils, Colinda, qui est resté fidèle, n'est-ce pas, au ministère. Il a servi son père spirituel pendant 15 années de loyauté, de service. Il a senti qu'à un moment donné, il fallait l'établir sur le ministère. Donc, il y a une continuité et c'est ce qui est bien. Il a, son fils spirituel a su attendre le bon moment. Malheureusement, chez nous ici, quand il chasse un petit démon, tu vas faire église. Malheureusement. On ne sait pas attendre le temps. On pense qu'on est plus supérieur à nos pères spirituels. Voilà, Colinda, son fils, Dieu l'utilisait puissant, mais ce n'était pas le temps. Dieu l'utilisait puissamment, il a servi son maître, parce que c'est important. Quand Dieu t'appelle, parce qu'il a l'envie de servir Dieu, excusez-moi. Il a l'envie de servir Dieu, et puis il y a la perte de Dieu. Et encore la perte de Dieu, il y a un temps. Voilà, quand Dieu t'appelle, il y a aussi un temps pour te faire rentrer dans l'appel. Jésus-Christ est né pour servir Dieu, ça tout le monde savait. Alors, à l'âge de 18-12 ans, il annonce son appel, il montre qu'il est vraiment doté d'une sagesse, de la connaissance des Saintes Écritures. Il confond tous les pharisiens dans le temps, et vous l'avez vu comment il s'est battu. Parce qu'il parlait de lui après 10 ans, il a confondu le docteur de la loi, et c'est à partir de 30 ans, c'est l'âge qu'il valait pour s'exprimer en public, donc l'âge de la maturité chez les Juifs, et c'est là que Jésus-Christ allait dans le désert. Alors il a commencé par le commencement, s'est fait baptiser. Il a attendu le baptême. Baptême du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Baptême d'eau plutôt, par Jean-Baptiste. Voilà. Et puis après, il allait dans le désert où là, pendant 40 jours, il a reçu la puissance d'en haut. Et ça, c'est très important pour le ministère aussi. Il faut que l'ancien compare le ministère des gens. Il faut que l'ancien en compare le ministère des gens. Et les gens qui n'acceptent pas l'onction, c'est un problème, parce que l'onction doit accompagner les gens. L'onction doit accompagner le ministère. Jésus a attendu le temps de Dieu. Il a eu l'onction, il a commencé le ministère. Et sa renommée s'est répandue un peu. Pour dire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Voilà, il faut, même si tu l'appelles, l'appel même te brûle, tu es chaud. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alors, quand il se passe dans la peur de Dieu, et quand tu penses servir Dieu, oui, il était dans une église, il ne veut pas dire, ou un responsable, ou bien, donc je parle de l'histoire de Bonquet, qui est mort hier, voilà, qui est mort hier. Moi, père à son âme, c'est quelqu'un qui m'a impacté, voilà, j'ai plus le temps de l'écouter, j'ai plus le temps de bénéficier de cette formation, parce que, à la base, j'ai parcouru aussi, comme lui, des villages, des villes, des pays, pour aussi annoncer l'évangile, et donc je bénéficie aussi, n'est-ce pas, de ces enseignements de Bonquet, voilà, Christ pour les nations. Donc lui, dans les nations, il forme les gens, donc on a bénéficié, nous autres, on a eu l'occasion de bénéficier aussi ces enseignements. Alors donc, voici quelqu'un qui est parti, voilà, près du Père, nous allons tous partir un jour, ça c'est la chose la plus sûre d'ailleurs, mais pour ceux qui sont appelés, doivent comprendre qu'à un moment donné, même si Dieu t'utilise et que tu es près d'un Père spirituel, il faut attendre le temps de Dieu. Alors, pour l'homme de Dieu qu'on appelle Renonqué, il a su faire
faire la passation des services, voilà, consacrer son fils spirituel qui dirigeait désormais cette grande famille de Christ pour les nations. Voilà, Christ pour les nations, Christ pour les nations. Alors, donc, son fils maintenant prend la relève, et puis après, quelques temps après, 2017, 17, 18, 19, il est mort. Voilà, il est mort en 2019 pour dire, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Voilà, il faut savoir attendre le temps. Quand tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, tu vas errer comme ça. C'est-à-dire, tu vas errer. Parce que chasser un démon, souvent, Dieu vous met près de quelqu'un, n'est-ce pas, pour apprendre. Et quand les gens vous écoutent, la notoriété que la personne a, voilà, et à cause de lui, les gens finissent par vous aimer, vous écouter, d'autres pensent qu'ils sont arrivés. Voilà, ils pensent que sur cette base-là, ils peuvent aller créer l'église. Sur cette base-là, non, on ne crée pas une église comme ça. Moi, j'ai une histoire. J'ai une histoire, donc on ne considère pas comme ça pour aller créer l'église. Voilà, c'est sous, n'est-ce pas, le mandat de Dieu. Alors, une église, pour la fonder, pour fonder un ministère, il y a toujours un prix. Ça ne commence pas dans le luxe, ça ne commence pas dans les bonnes choses, ça commence dans la douleur. Voilà, c'est là que l'Église commence, ça commence dans la douleur. Et ce n'est pas une chose facile, on a vu comment l'Église primitive a commencé. Voilà, une Église qui commence dans le luxe, attendez-vous à cette œuvre, un ministère qui commence dans le luxe, où on pense que tout est facile, il y a un problème, il doit avoir forcément un problème. Le ministère de Christ n'a pas été facile, donc le ministère des apôtres n'a pas été facile, c'était une chose difficile. Mais malheureusement, les gens n'entendent pas le temps de Dieu. Ils ont envie de servir Dieu. Leur envie prend le dessus par rapport à l'appel. Ils ne savent pas distinguer la voix de Dieu, voilà, de l'appel et de l'envie. C'est pour ça que par moments, ils ont des soucis. Parce que quand Dieu vous appelle pour le servir, c'est lui-même qui attire les âmes, c'est lui-même qui organise votre ministère, c'est lui qui structure, c'est lui qui vous fait avancer. Celui qui vous donne la vision, n'est-ce pas, nette et claire. Alors, pour vous dire, en un mot, bon courage, il y a des appelés. À Zaroku, il y a des appelés. Voilà, je vois beaucoup de gens qu'on doit maintenant former. On a passé du temps, j'ai observé, on a mis du temps, j'ai observé certaines personnes. Voilà, maintenant, là, la phase, c'est maintenant une phase maintenant de formation. Les féliciter, les dénisent comme ça, il faut qu'on les forme, qu'elles prêchent l'évangile. C'est pas seulement venir s'asseoir et écouter les gens. Sinon, tout le monde prêche l'évangile. Donc, ça sera plus intéressant d'envoyer les gens en mission aller prêcher l'évangile. Donc, on a mis quand même du temps pour vous dire. En tant que père spirituel, je vous donne des conseils. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Voilà, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Alors, mon exhortation va se pencher sur ça. C'est vrai que ce n'était pas ce que je devais prêcher, mais en même temps, la disparition de Bonquet m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Comme je disais, peut-être que ce qu'il ne savent pas, c'est quelqu'un qui était pour moi un modèle. Voilà, un modèle dans l'impact de l'évangile, dans la manière de rassembler des gens, dans la manière de prêcher l'évangile avec vivacité, puissance. Voilà, pendant des années, quelqu'un que je suivais depuis un moment donné de ma vie, dans les croisades, je voyais des croisades, tout ça. Donc même la résurrection de l'Alec, de pasteur Daniel, en 2001. C'est en 2001, moi j'avais déjà la vidéo de cette croisade pour le pasteur Daniel en 2001. D'autres même ne pensaient même pas même qu'ils allaient être chrétiens, d'autres mettaient dans les belles drômes. Quand on servait Dieu là. Il y a des gens qui étaient dans les bolédromes, nous, on était dans l'enfer de Dieu déjà. Voilà. On a plus de 20 années dans l'enfer de Dieu. On est dedans. C'est-à-dire toute notre vie, moi, ma vie, toute ma jeunesse, c'est dans le service de Dieu. Donc, on a eu beaucoup d'expérience. Alors, vis-à-vis de ça, il est vraiment important de comprendre que pour préparer une génération, voilà, il faut préparer une génération. Alors, il faut déjà commencer à comprendre comment s'investir. Voilà, donc une génération, voilà, et une génération en France, d'une génération des gens qui sont pressés, une génération de ceux qui veulent s'enrichir, une génération de ceux qui sont plus prêts à payer le prix, une génération des gens qui ont envie, mais en dehors de ça. Vous savez, quand Dieu t'appelle à un moment donné, si tu as vraiment appelé, quand même tu doutes l'appel parce que tu ne vois pas ça comme un, tu vois ça comme un problème. Donc nous, à un moment donné, on a lutté avec l'appel de Dieu, c'est pas très facile.
La preuve, c'est qu'on a quitté Abidjan pour être à Arauco, c'est plutôt facile. On n'est pas sorti du comme ça, comme ça, le truc. Je prends un truc terre à terre, genre. Où prenez-vous? Sinon, bien avant ça, donc mon impact, le ministère impactait la Côte d'Ivoire, le monde entier. Je vous parle déjà de comment on se retrouvait à Arauco, les conditions dans lesquelles nous sommes retrouvés, nous étions à Arauco, comment on est sorti, on a bâti Arauco jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de même bâtir un grand camp de prière à Arauco, tout ça. Donc, il y a toujours un prix. Jusqu'à aujourd'hui, des propositions à Abidjan où on me proposait de faire des terrains, il y a plein d'enfants spirituels. D'autres me regardaient pour dire, mais toi-même, tu n'aimes pas l'argent. On m'invite à Abidjan, on me montre des terrains à Abidjan. Et puis la personne dit, on va, donne-moi 4 personnes, comme ça. Comme ça, on va cotiser, et puis on va commencer déjà à cotiser. Et donc, je demande aux gens, je préfère tel le nom des gens, et je demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime trop, papa. C'est pour cela que j'aimerais que tu établisses un truc à Abidjan. Quand tu viens à Abidjan, tu es à Croisade. J'aurais dit, si j'ai fait église à Abidjan, Divo tombe. Ça va pas discuter. Voilà. Divo a tombé, parce que je connais. D'Abidjan, je suis allé à Zaroko, à Divo. Parce que j'ai fait programme ici. Moi-même, là, quand je vais regarder à Abidjan, et puis Divo, je vais prendre une voiture pour aller à Divo. L'esprit même va m'attaquer. L'esprit méchant même va m'attaquer dans ma tête. Il m'a dit, non, mais tu peux chasser les esprits, tout ça. J'aurais dit, est-ce que tu m'aimes? Il m'a dit, oui, il dit, pardon, si tu m'aimes, laisse-moi dans mon Zaroko, pardon, je me demande, pardon, Yaya, pardon, aie pitié de moi. Parce que vous pouvez me mettre en parler avec le père de la mission. Donc c'est comme ça que j'ai dévié, j'ai déjoué beaucoup de pièges et tout ça. Et depuis 2013, vous savez combien de fois, 2013-2014, j'avais des invitations qui venaient, même chez moi à la maison, j'avais dans les tiroirs, il y a des invitations, des gens m'invitaient, hein. On n'était pas trop tenté. Il fallait préparer, organiser l'église. Et puis, on a se préparer maintenant pour l'international. Donc, ce n'est pas parti de là. C'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui connaissent le prophète Crasso, ils vont comprendre que ce monsieur n'est pas là pour l'argent. Voilà, il a un prix à payer, il a payé un prix, il a tout ça. Donc, la preuve, c'est que comment il quitte l'Europe ici, voilà. Mon point de chute, c'est à Divo. Voilà, ce n'est pas à Abidjan. Ça ne m'a jamais tenté. Voilà, je remplissais des salles à Abidjan. Voilà, je demandais au président Seko, il sait très bien. On a prié pour les artistes, les gagisseries qui venaient. Mais c'est des gens, c'est des narcissiques, c'est pas n'importe qui venait. À nos cultes, à l'atmosphère, tu regardes, c'est des. Excusez-moi, c'est des. Attends, c'est sérieux. Du quand, c'est que le. À un moment donné, quand Seko m'a dit à Zaroko, il est venu me trouver, il dit, mais vous quoi ici? Il dit, ah, c'est le père qui dit de venir ici. Là où je suis. Là. C'est le père qui est là-haut qui dit, titi. On a parcouru des choses. Donc, il y a toujours une histoire. Et pour dire, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut attendre le moment. Il faut vraiment attendre le bon moment. La plupart des gens, ils ne savent pas le prix qu'on a payé. Mais ils veulent, ils nous envient dans le fait que les gens nous écoutent. Le fait que, parce que c'est Dieu qui attire les âmes. Le fait que les gens nous écoutent. Le fait qu'on voyage peut-être. Mais ça pas combien de fois le prophète Crasso a pris Banga, fallait à Deyo. Le témoignage, je connais. Mon cœur a failli s'arrêter. Quand tu montes dans Banga, quand tu descends de Banga, si tu n'as pas eu crise cardiaque, gloire à Dieu. Sinon, il a failli avoir crise cardiaque. Moi, il est parti à Deyo. Banga, moi, je le crie. Comme si on devait chasser un démon dans le bas. Parce que tout est fait. Et puis, on regarde en bas. Tout est bizarre. Donc je me dis, et puis le voisin me coince, je le coince, mais c'est la mort, j'ai transpiré jusqu'à... Et puis j'ai dit au Seigneur, pardon, délivre-moi de cet esprit-là. C'est un esprit, délivre-moi de ça. Donc on a vécu trop de choses. Hein? On a trop vécu de choses, on a vécu la galère dans le ministère, le pasteur Serge le sait, comment marcher, aller à Bukavu, marcher 20 km à pied. Demandez au pasteur Serge avec les tam-tams. Je me souviens qu'on en a une nuit, on est dans les herbes, et puis à Magna, c'est là que j'ai expliqué Magna. Magna est rentré dans mon pantalon, j'ai crié la nuit. Magna est rentré dans mon pantalon, il a dit que tu voyages. Magna, ça dit toi-même, tu cries ce. Et puis tout le monde dit, ah, c'est Magna qui l'a piqué. Tout le monde sait que c'est Magna. Ça te prend.
Et puis ça arrive où ça arrive, tu t'accuses où ça ne doit pas arriver. Ça grimpe. Ça grimpe, ça va. Ça va du bon doigt. Et puis toi, maintenant, tu cries maintenant, tu cries seul. On a vécu tout ça. Tu es dans la maison, tu es né à nier un serpent. On a vécu ça. On a vécu ça. Année à nier un serpent, non? Il a toujours un prix à payer. Comme je disais, la mort de Rena Bunke m'inspire beaucoup de choses. En 2017, il a compris qu'il fallait, il est mort, Rena Bunke. Voilà, donc il fallait faire passation des services et tout ça, non? Faites attention. Donc, on va essayer de voir quatre types de collaborateurs. Voilà, ça m'amène à vous donner, je reviens encore sur le message qui est important, quatre types de collaborateurs d'un leader spirituel, d'un homme de Dieu. Quatre types de collaborateurs. C'est ce que nous allons voir rapidement. Cela va vraiment nous aider. Et faites attention, parce que c'est important. Alors, on va essayer de voir dans 2 Timothée, à partir du verset 9, à 16, je crois. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9. Si vous êtes à la lecture. 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Je t'attends pas bien. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 9. Tu parles dans un micro. Tu parles dans un micro. Oui, papa. Il y a trop d'écho. Ok. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 9. Tu as laissé le micro? Oui, j'ai laissé. Très bien, maintenant ça passe. Viens au plus tôt vers moi. Comme j'ai un écouteur, oui, oui. Quand tu parles dans le micro, c'est plus fort. Parce qu'on a l'hôtel ici. D'accord. Quand tu vas parler, quand je n'ai pas l'écouteur, ça va emmerder le voisin. Vous avez vu ce qui s'est passé hier nuit, la dernière fois nuit. Oui, oui, oui. On m'a appelé pour dire, ah, les blancs, les blancs. Il n'est pas vieux. On dit ton voisin dit tu fais bruit. Ah, mais c'était là quand ils m'ont appelé, tu t'en réunis avec eux. Donc il faut remettre l'écouteur, parce que quand tu parles comme ça, c'est fort. Bon, allons-y. Maintenant, ça va. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Amène avec moi. Car il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Oui, très bien. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carbus. Et les lèvres surtout. Et les livres surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Très bien, selon ses œuvres. On s'arrête là, point. Okay. Avec que Dieu bénisse. Amen. On parle de quatre types de collaborateurs. Voilà. Alors, je reviens là-dessus parce que nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, en tant qu'Église de Dieu, parce que l'Église, là, n'appartient pas à quelqu'un. Je suis désolé qu'on dit l'Église de Grâce. Non. Moi, je ne suis pas le patron de l'Église. C'est Christ qui est la tête. Et Christ nous utilise en tant qu'humains par la vocation. Parce que nous répondons à l'appel par vocation. Nous répondons à l'appel de Dieu pour nous utiliser. Ancien Kwame, ça va? Ça va. Pour nous utiliser pour faire avancer son œuvre. Ok? Pour nous utiliser pour faire avancer son œuvre. C'est très bien. Ok? Alors donc, Christ étant le patron, il sait lui-même
attends le chef de l'église, celui qui sélectionne, celui qui appelle les gens pour être. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une vision. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le porteur de vision, qui est l'homme de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle le serviteur de Dieu, qui est le collaborateur. Le porteur de vision, c'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Vous tous servez Dieu. Mais lorsque quelqu'un a l'appel, qui a une vision, il devient une femme de Dieu, un homme de Dieu. Moi, je crois à la ministère des femmes. Ça, moi, je crois que Dieu peut choisir une femme pour prêcher l'évangile. Ça, je n'oppose pas à ça. Moi, je crois à ça. Et une fois que quelqu'un reçoit une vision de Dieu, il devient un homme de Dieu choisi. Il est choisi de Dieu. C'est un choix de Dieu. Dieu le choisit, il met en lui une vision. Alors, cette personne a besoin aussi des collaborateurs, des collaboratrices pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, donc, ces collaborateurs sont des serviteurs de Dieu et lui, il est homme de Dieu. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Amen. Très bien. Alors, donc, dans un premier temps, on ne fait pas l'œuvre de Dieu seul. La preuve, c'est que Jésus-Christ lui-même étant Seigneur, maître de toutes choses, il a eu besoin de collaborateurs, n'est-ce pas? Il a eu besoin de 12 disciples pour l'aider dans cette tâche-là, parce que ce n'est pas une chose facile, elle n'est pas une chose aisée de servir Dieu. Il faut avoir des collaborateurs. Alors, avec l'expérience et des vécus de nos dévanciers dans la foi, la Bible nous mentionne beaucoup de choses. Il faut savoir connaître aussi le vrai visage des collaborateurs. Voilà, des collaborateurs, et ça c'est très important. Il y a l'écran de ton téléphone qui fait que je... Voilà, merci. Faut arrêter la lumière. Ton écran, il y a la lumière. Donc, dis aux gens d'arrêter, comme ça, c'est bon. C'est. Voilà, donc... voilà. Ok. Ça va? Ça va un peu? Ça va? On peut continuer? Voilà. Voilà, arrêtez. Voilà, sinon, il y avait la lumière... Ok, donc il y a des collaborateurs. Alors, donc, il y a l'apôtre Paul qui est l'un des piliers des gens, des apôtres qui ont marqué le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Paul était d'abord un pharisien, quelqu'un qui était doté d'une connaissance mosaïque. Donc, il avait cette connaissance, mais en même temps, il s'opposait à l'église de Christ. Et Dieu l'a rencontré sur la route de Damas. Et c'est à ce moment qu'il s'est converti après que Jésus-Christ l'ait foudroyé. Voilà, sur la nuit de Damas, il persécutait l'église de Dieu. C'est comme ça qu'il a rencontré Jésus, qui s'appelait Saul de Tarse. Et dont le nom est devenu Paul, qui veut dire petit. Le nom Paul veut dire petit. Or, la Bible dit qu'il faut te faire petit. La plupart des petits seront, celui qui se fait petit sera grand. Okay? Donc, il est devenu le plus grand d'ailleurs. Il a marqué le Nouveau Testament. La plupart des livres écrits par l'apôtre Paul. Alors, donc, cet écrit-là. Ici, l'apôtre Paul s'adressait à son fils spirituel, parce qu'il avait Daniel, fils spirituel dans la foi, qui est né de lui dans la foi, qu'on appelle Timothée. Alors, regardez ce qu'il dit. Dans le verset 9, qui va nous intéresser, il dit Damas. Voici un collaborateur qui était avec l'apôtre Paul. Il dit Damas m'a abandonné par l'amour de ce siècle. N'est-ce pas? Amen. C'est pas ce qu'il a dit? Amen. Tu reprends le verset rapidement, comme ça commence. Car Damas m'a abandonné. Alors, regardez Damas, il dit Damas m'a abandonné par amour. Par amour. Pour le siècle présent. Pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie. Très bien. Donc, regardez Damas. Il dit Damas m'a abandonné. Au moment où l'apôtre Paul parlait ça, l'apôtre Paul vivait un moment difficile. Vous savez, l'apôtre Paul a été jeté en prison, il a quitté le moment difficile de sa vie. Il a été l'un des apôtres persécutés. Il a été très persécuté. Voilà, donc je vous exhorte pour que ceux qui ne savent pas, connaissent pas l'histoire de l'apôtre Paul. Et déjà, vous, n'est-ce pas, vous informer, cherchez à connaître l'histoire, la vie de l'apôtre Paul. Il a été un des apôtres qui a été le plus persécuté, d'ailleurs. Voilà. Persécuté. Il a dit, Damas m'a abandonné. Donc, dans les moments les plus difficiles de la vie de l'apôtre Paul, voici Damas, il a dit, ah, si c'est comme ça, on sert Dieu, c'est pas la peine. On dit, il allait pour le siècle présent. Donc, Damas, là, c'était un genre de collaborateur qui était avec l'apôtre Paul, mais que lui, c'était le matériel. C'est-à-dire, il était là à cause d'argent. Il était là, justement, à cause de ce monde présent. Donc, il n'était pas un bon collaborateur.
Sa collaboration, c'était le matériel se fait voir. Et malheureusement, il y a des gens qui viennent dans le ministère. Ils viennent dans le ministère à cause de la notoriété de l'homme de Dieu. Comme il est connu, l'homme de Dieu. Comme l'homme de Dieu. Donc, ils viennent dans le ministère pour s'accaparer, avoir des carnets d'adresse, n'est-ce pas? Bon carnet d'adresse, n'est-ce pas? Et puis, détruire le ministère. C'est pour ça que les gens doivent faire beaucoup attention. Ou les gens, ils viennent d'ailleurs dans le ministère à cause de l'argent. Ils viennent à cause des soucis d'argent. Voilà. Il dit, il m'a abandonné pour se servir. Dans le moment difficile où il a besoin de Démas, Démas a refusé de le soutenir. Donc, ce genre de collaborateurs, c'est des gens dans les moments difficiles, vous comprenez qu'ils vous abandonnent. Il y a des gens qui vont vous abandonner dans les moments les plus difficiles. Ce genre de collaborateurs de Démas, il dit, m'a abandonné. Ce genre de Démas, c'est les gens qui abandonnent. Dans les moments les plus difficiles de votre vie, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la loyauté. Ils vont vous abandonner dans les moments les plus difficiles. Il dit, Démas m'a abandonné. Voilà, donc l'abandon. Voilà. Il a abandonné l'homme de Dieu. Dans les moments les plus difficiles, il a abandonné. L'homme de Dieu comptait sur lui. Il pensait qu'il était un bon collaborateur. Et quand il commençait à vivre les moments difficiles, le gars l'a abandonné, il est parti. Ce genre de collaborateur, vous allez les voir partout dans les églises. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas pour Jésus-Christ. Des gens qui ne viennent pas pour aider le ministère, mais viennent pour leur propre vente, qui viennent pour autre chose. Et dans les moments difficiles, ils vont partir. Il dit, Démas m'a abandonné. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe toute sorte d'homme de Dieu. Ces gens de collaborateurs. Nous allons voir quatre types. Le premier type de collaborateur, c'est celui-là qui abandonne, hein, n'est-ce pas, dans les moments difficiles. Voilà, quand une chose se passe, il abandonne. Vous avez vu comment Jésus, à un moment donné, les gens l'ont abandonné. Les gens l'ont abandonné. Après Gethsémani, quand il a commencé avec sa persécution, les gens l'ont abandonné. Même Pierre, même là, regardez Pierre. La vieille vient dire, ah monsieur, vous nous emmenez à Pierre. Quand je vous regarde là, vous êtes vos barbes, les narines, les yeux. On dit, vous êtes Simon Pierre. Il dit, madame, vous avez vécu, fais sur vous. La vieille sorcière, sorcière, pourquoi tu m'accuses? Oh, c'est Pierre. Il a régné Jésus. Vous comprenez? Il va régner Jésus dans le moment difficile de Jésus. La vieille l'a bien remarqué pour dire, toi Pierre, c'est toi, tu as pris épée. Tu as coupé l'oreille, tu te dis qu'on est, dit moi. Peut-être que le gars me ressemble, sinon c'est pas moi. Je n'ai jamais connu des gens qui m'ont nié. Oh, vous avez mangé avec lui, ils vont manger. Vous les avez aidés au moment donné, ils étaient dans, disons, soi-disant dans le ministère, par intérêt, bien sûr. En guillemets, ils n'étaient pas dans le ministère, mais ils étaient là pour intérêt, pour quelque chose. Voilà, par intérêt, ils étaient là pour quelque chose. Et à un moment donné, dans un moment difficile de votre vie, ils vont se mettre de l'autre côté de vos ennemis, ils vont vous abandonner, ils vont gagner l'adversité, ils vont se mettre en bloc dans le camp ennemi pour vous attaquer. Ça arrivait à l'apôtre Paul. Ça arrivait à l'apôtre Paul. Voilà, ça arrivait à l'apôtre Paul. Et ça a même arrivé à Jésus. Jésus a connu des moments difficiles. Donc il y a des gens qui vont vous régner. Ce genre de type de collaborateurs, faites attention, vous allez le voir dans le ministère, c'est des gens qui s'engagent difficilement. Qui s'engagent difficilement, qui ne veulent pas poser dans leur langage, il ne faut pas avancer. Dans leur langage, il ne faut pas avancer les choses. Il y a des gens aujourd'hui là, qui se sont propriétaires de tant, hors le ministère. C'est le ministère qui a eu tant. Eux se font propriétaires de tant. Eux se font propriétaires de tant. On connaît, chacun d'entre nous sait comment chacun est arrivé dans le ministère. Chacun connaît. Chacun connaît comment, par la grâce, par l'amour que j'ai pour les gens, comment le Seigneur m'a utilisé à aider des gens. Voilà, les gens. Et les gens, vous allez voir qu'à un moment donné, ils sont ingrats. Ils ne vont même pas reconnaître même l'acte que vous avez posé dans leur vie. Parce que quand quelqu'un dit, il ne m'a jamais aidé, mais tu faisais quoi? Quand quelqu'un ne peut pas t'aider, tu fais quoi? Depuis quand vous avez vu quelqu'un, voilà, tu faisais quoi? Vous savez combien de fois, moi, je me bats chaque fois pour aider les gens? J'ai toujours, je me suis toujours battu. C'était ma priorité, comment faire pour aider les gens? Voilà. C'était toujours ma priorité, comment faire voyager. La plupart des gens qui nous ont fait voyager, c'est moi qui les ai fait voyager dans le ministère. Amen. Donner de l'argent pour aller faire leur passeport, donner de l'argent, les portables, les ordinateurs, tout ça. Amen. Vous allez voir que eux, effectivement, ils sont là pour quelque chose. Et à un moment donné, vous allez voir qu'ils vont vous abandonner. Ce sont les Démas. Ils vont vous abandonner. C'est ça, Démas. Tout le monde, l'apôtre Paul a connu ça. Il dit, regarde comment Démas m'a abandonné pour ce siècle présent. On poursuit la lecture. Et il est parti pour Thessalonique.
Cresson est allé à Galatie. Tite en Dématie. Luc seul est avec moi. Prends Marc. D'accord, non, on va prendre le genre de Luc. Luc, il dit Luc seul est avec moi. Voilà, il dit Luc seul est moi. Donc, moment difficile, là, il y avait Luc. Vous avez Luc, je vous dis maintenant, Luc, il est profession médecin. Voilà, Luc, il est profession médecin, Théophile, voilà, celui qui a des apôtres, c'est Luc aussi qui va aussi faire le livre de Luc, comme vous connaissez tout ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit un peu? Voilà, donc Luc, à la base, il est resté. Il est Luc seul, mais resté. Mais il ne suffit pas seulement de rester. Mais Luc était là, mais il avait un problème, Luc, là. Bien que soit, parce qu'il y a eu la persécution. La raison, quelle que soit la persécution, ils vont partir. Ils ne seront pas comme Démas qui partent rapidement. Il est Luc, mais resté. Mais Luc était resté, mais regardez la suite de l'événement. Allons-y. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Verset très bien. Écoutez, il dit prends Marc. Amène-le parce qu'il m'est utile. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Luc était là, mais bien qu'il soit resté avec l'apôtre Paul, il n'était pas utile. Vous comprenez? Il y a des gens, dans des moments difficiles, ils vont rester, mais ils ne montrent pas leur utilité. C'est-à-dire qu'ils figurent. C'est comme dans les films. Dans les films, là, il y a une partie où on dit les figurants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, vous les voyez passer. Ils sont des passagers. Ils sont dans le film. Hein. Ils sont figurants. Ils sont inactifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus produire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas porter des idées. Mais ils sont là. Mais ils n'apportent rien. Ce genre de personnes, on les appelle Luc. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est vrai que Luc est là. Mais il a moins marqué parce qu'il m'était utile pour l'eux. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez des marques. Amen. Amen. Il dit, amène-moi Marc, parce qu'il m'est utile pour l'œuvre de Dieu. Parce que Marc, ce genre de Marc, Marc là, ce genre, les personnes qui sont à l'image de Marc, c'est des personnes à qui on ne demande même pas. Quand ils viennent, ils savent que la chaise, il faut la ranger. Il n'a pas besoin qu'on lui dise ça. Ils savent qu'ils ne se soucient que de l'œuvre de Dieu. Ils ne se soucient que de l'avenir de l'œuvre de Dieu. Ils participent à tous les jeux. Ils participent à tous les programmes. Ils s'investissent dans le programme. Ils ne sont pas comme Luc. Lui qui est resté, mais lui qui ne faisait rien. N'est-ce pas? Généralement, c'est des gens qui viennent, qui disent oui, ça va aller. Mais ils ne s'investissent pas à fond dans l'œuvre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, amène-moi, Marc, parce qu'il m'est utile pour l'œuvre de Dieu. C'est que le Seigneur aimerait que chacun d'entre nous soit utile pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui dit ça dans le livre d'Apocalypse. Dieu n'aimerait pas que nous soyons ni chauds ni froids. D'ailleurs, la tiédeur du pas. Quand on est dans le Seigneur, on doit être à fond dedans. Ce n'est pas à moitié. Dans les Ivoiriens, le dit, ce Balak qui t'a dit, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Il faut aller dehors. Parce que si tu as mis pied dehors, elle est dehors. Ça dit qu'on ne peut pas de la peu près. Or, lui qui était là, mais il n'était pas engagé dans les choses. C'est vrai qu'il était là pour consoler. Il était là pour soutenir. Mais il n'est pas à fond dedans. Il n'est pas à fond. Donc il a dit, amène-moi Marc, parce qu'il m'est très utile pour l'œuvre de Dieu. Alors celui qui est utile pour l'œuvre de Dieu, vous le sentez déjà, par son zèle, par son langage. Il s'inquiète de l'avenir de l'œuvre de Dieu. Il s'investit pour l'œuvre de Dieu. Il organise les choses, les prières. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de lui demander ce qu'il doit faire. Il s'investit à fond. Alors il dit, Marc m'est utile. Est-ce que toi, tu es utile pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es à l'image de Marc, n'est-ce pas, pour être toujours être utile entre la main du Seigneur? Amen. Amen. Ne soyez pas comme les figuiers stériles. La Bible dit que le figuier, Jésus a voulu prendre des figues, n'est-ce pas, il constate que le figuier est stérile, il a maudit le figuier. Donc non, il faut produire des fruits. Il faut produire des fruits dignes pour le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur aimerait que chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu trouve en toi? La stérilité, parce que tu es stérile. Voilà, tu ne bouges pas et tu ne produis pas de fruits, mais tu reçois une malédiction de la part de Dieu. Il faut faire avancer.
Quel est le de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Et pour, du moins, par quoi il faut que l'œuvre de Dieu avance? Désolé. Il faut que par toi l'œuvre de Dieu avance. Alors, on poursuit la lecture. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Capus et le livre, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Beaucoup de mal, on poursuit. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Très bien. Regardez, il dit Alexandre le forgeron. Vous voyez, voici un type de personne, il dit Alexandre le forgeron. Donc, parce que le quatrième type de personne, c'est Alexandre. Mais on dit le forgeron. Le forgeron travaille quoi? Du feu. Le feu, il prend le marteau. Il y a un forgeron qui ne travaille pas mal. Le feu, bien sûr, il prend le marteau. Il frappe le fer. Il prend le marteau, il frappe. Si le fer pouvait pleurer, le fer allait crier pour dire, mais doucement. C'est lui qui fait là, c'est quoi? Donc, le forgeron, Alexandre, c'est celui-là qui est dans ton quotidien et qui te fait du mal. C'est-à-dire, lui, il ne fait que te détruire. Ça va? Amen. Il te martyrise, il te chicote. Il a aidé toi, mais il a mis à tes ennemis. Frère, il y a une seule chose aujourd'hui. Il ne faut pas vous aller vous tromper. Ça, comme ça. Quand quelqu'un a mis à aidé toi, et puis il est ami avec ton ennemi sans jet, c'est ton ennemi rapproché. On m'a dit, Seigneur, j'ai enseigné ça le dimanche passé. C'est ton ennemi rapproché. Lui, il est là pour donner les informations. Ouvrez les yeux. Moi, mes yeux sont ouverts. Amen. 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 Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Il fallait ça. Parce que c'est ça. On fait confiance aux gens bêtement. Malheureusement, les gens qui ne méritaient pas notre confiance, nous leur donnons cette confiance. Or, la déception ne tue pas, mais s'enseigne. Ça enseigne. Ça te donne un esprit de réflexion. Amen. Et de discernement. C'est ça. Ça fait que tu as le discernement et tu sais comment réfléchir. Amen. Quand quelqu'un parle, tu dis, ah, c'est comme ça, l'autre là, il parlait en vain. Quand quelqu'un t'écrit plus sur Facebook, tu dis, ah, c'est comme ça, il écrit. Parce qu'il y a une manière, quand quelqu'un veut quitter ton Facebook, il y a une manière qu'il écrit. Amen. Quand quelqu'un tu as mis avec lui, il y a une manière. Quand quelqu'un devient ton ennemi, il y a une manière de se comporter, même sur Facebook. Il y a une manière de se comporter. Amen. Quand quelqu'un devient ton ennemi, il y a une manière. Donc, quand un homme, qui soi-disant ami, qui est ton ami, et qui devient ami de ton ennemi, mon frère, qui est ami à ton ennemi, ils parlent ensemble. Et puis, ils ne trouvent pas que c'est un problème. Ils voient que non, mais ça aide toi, ils ne parlent pas. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envoyé ça? Mon frère, ce monsieur-là, il faut te méfier. Cette sœur, méfie-toi d'elle. Amen. Parce que leur causerie, c'est tu seras au centre forcément de votre causerie. Il ne faut pas se tromper. Arrêtons de nous tromper. Non, le Seigneur, il aimait tout le monde. Savait toi, il avait des histoires. Mais moi, il n'a pas eu des histoires. Avant, ok. Mais forcément, il va revenir. Parce qu'un ennemi, il ne change pas. Il va revenir à l'attaque. Il va parler. Il dit Alexandre le forgeron. Vous savez, il y a des gens qui sont comme le forgeron. Ils sont dans votre quotidien. Mais ce sont des ennemis rapprochés. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ils font semblant de vous aimer. Mais ils causent beaucoup avec vos ennemis. Voilà, ils causent beaucoup avec vos ennemis. Moi, une fois, tu es contre quelqu'un qui est mon ami. Je vais te ramener à l'ordre. Je te rappelle à l'ordre. Si tu ne veux plus comprendre, toi et moi, on n'est plus amis. Moi, je n'ai pas fait de l'à peu près. Voilà. C'est de l'à peu près là qui nous tue. Il y a des cœurs pour ne pas changer. Il y a des esprits pour ne pas chasser. Parce que Jésus ne même pas chassé l'esprit de Judas. Ce n'est pas toi qui as chassé l'esprit de Judas. Il y a des esprits que vous ne pouvez pas chasser. Donc, Alexandre le forgeron, c'est celui-là qui tape dans ton dos. Un tapé d'eau. Un tapé d'eau, ça veut dire qu'il n'est pas là, que celui qui te poignarde dans le dos. Il parle mal de toi. Alexandre le forgeron. Malheureusement, ces personnes ont fini ce mal. Il dit, Dieu, il dit, l'Éternel le rendra au sang, tout ce qu'il m'a fait.
C'est pour ça que les gens doivent comprendre que quand vous posez un acte négatif à l'encontre d'un enfant de Dieu, ou même d'un homme de Dieu, peu importe la raison, mais un jour, vous payerez ça. C'est-à-dire que vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Et souvent, les gens se disent, mais je ne sais pas ce qui, je sais pas ce qui m'arrive. Et ça, après, j'ai compris que, par moment, il y a les gens pour lesquels vous avez prié, qui sont devenus anti-miracles. Il y a des gens qui sont anti-miracles parce que leur cœur, le cœur qu'ils ont, ça, après, tu comprends que j'ai compris. Ah, je comprends pourquoi Dieu ne les exauce pas. Ah oui, je comprends pourquoi Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont très sacrées. L'être humain, comme je vous disais la dernière fois, l'être humain est tellement sacré que quand tu te lis et quand tu veux chercher à détruire une personne, la vie d'une personne, j'étais, comme je disais, j'étais vraiment. J'étais dépassé de la méchanceté des gens. Cette méchanceté cruelle de comprendre que les gens, l'orphelinat, vous le touchez, vous savez, l'orphelinat c'est ouvert. Les enfants qui sont, la plupart sont les enfants en difficulté. Et d'autres viennent faire croire que ce n'est pas les enfants en difficulté. Il faut que ces enfants se retrouvent à la rue et qu'on ferme. Donc les gens faisaient une campagne de dénigrement contre la fondation. Moi j'ai compris et dit, ce n'est que des démons. Ce n'est plus des êtres humains, ce n'est que des démons. Amen. Amen. Non, ce n'est que des démons. Vous pouvez peut-être insulter. Mais attends, il ne faut pas troquer la vérité. C'est-à-dire la vérité, il ne faut pas la changer. Encore, les gens qu'on doit protéger, les enfants qu'on doit protéger, vous décidez de les détruire. C'est-à-dire, vous sautez, d'expulsion. Au contraire, la fondation aujourd'hui, là, au contraire, moi je gagne quoi? Moi, ce n'est pas ça qui me nourrit. Au contraire, nous, on dépense aujourd'hui, la cause de ça, aujourd'hui, on n'a même plus. On ne peut même plus économiser. On vous dit, faites attention. Ne soyez pas comme Alexandre, le forgeron. Les gens, ils sont là, ils sont comme Alexandre, le forgeron. Ils sont là, ils sont pieux. Et si vous venez à l'église, vous mettez les pieds, vous allez voir que tout le monde, c'est comme les anges. Le visage des gens, quand vous les regardez, vous allez dire, lui là, il faut qu'il soit près du Seigneur pour le servir. Lui là, où c'est là. Or, quand vous sortez, son cœur, son nom, son cœur, vous avez vu là, c'est un petit fille de Belzébuth. Parce que, il y a le comportement. Quand on a l'église, on a le visage, on dit, on est tous pieux, le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu. Or, les hypocrites, ils sont très dangereux. Malheureusement, ils sont très dangereux.